Aujourd'hui, je t'apprends à faire des belles crêpes tourbillon. Tu vas voir, c'est ultra simple à faire et super décoratif. Allez, tout de suite la recette. Dans un bol, tu verses de la farine, un petit peu de sel, les œufs, du lait et un petit peu d'extrait de vanille. Tu mixes à l'aide d'un mixeur plongeant pour obtenir une pâte bien homogène. Tu rajoutes le beurre fondu et tu mixes à nouveau. Tu prélèves environ 1/6 de la pâte. Tu rajoutes de la poudre de cacao et tu mixes à nouveau. Dans une poêle, tu fais fondre un petit peu de beurre, ça donne un petit côté noisette. Tu dessines avec la pâte en chocolat un tourbillon. Tu peux faire d'autres dessins, des fleurs par exemple, ou un autre motif. Tu verses par-dessus la pâte à crêpes nature et tu laisses cuire jusqu'à ce que les bords se décollent. Une fois que les bords commencent à se décoller, tu la fais sauter. Admire la maîtrise du geste. Tu laisses cuire quelques secondes sur l'autre face. Et voilà, c'est prêt. J'adore les déguster avec une confiture de clémentine corse bio de la maison Café des Flores. C'est un pur régal. Merci d'avoir regardé. Si ce contenu nous a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu trouveras plein d'autres choses pour te faire plaisir sur ma chaîne.